Allez, salut tout le monde, c'est Azure Récupération, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 39, oui, de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Écoutez, souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait recommencé encore le tombe de l'épée sacrée avec cette fois-ci Lana pour récupérer le fragment de cœur. On avait commencé à faire la moitié du champ de bataille, enfin on avait fait la moitié du champ de bataille tout simplement, et du coup il nous manquait l'autre moitié à faire, et du coup on peut enfin rentrer dans le fameux temple de l'épée sacrée. Et du coup c'est parti, on va tout exploser. Voilà. Alors du coup, let's go. Et slash. Vas-y fort. Qui nous débloque un coffre et avec peut-être le fragment de cœur, les amis, qu'il nous faut. Et nous avons du coup, les amis. Est-ce que nous avons le fragment de cœur? Et nous avons le... Ah non, une poche d'armes. Vous avez obtenu un sac d'armes. Vous avez hâte de savoir ce qu'il contient. Ouais. On commence à avoir pas mal d'armes quand même, hein, sur nous. Hop. Voilà. On a tué un gibe d'eau. ...2000 ennemis vaincus. Alors, au cas où, le niveau 30 est jouable, hein, je vous le dis. Le niveau 30, il est jouable. Donc, c'est parfait. C'est parfait, c'est bien ici. On peut quitter facilement le temple. En cas de gros soucis. Oh, par contre, Link, il est en train de se faire maltraiter, la balle pauvre. Hep et slash. Alors là, on l'a enchaîné. Et du coup, on va faire ça. Boum, 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 boum. Et là, slash 38, c'est parfait. Hep. Et slash. Et nous avons un autre coffre. Et c'est là, peut-être, le fragment de cœur, les amis. Le fameux fragment de cœur qui nous manque, hein. Il nous manque, il faut trouver ce fameux fort. Il faut trouver le fort pour pouvoir avoir... Et nous l'avons trouvé. Voici le fragment de cœur. Vous avez obtenu un fragment de cœur rassemblé dans le cadre pour augmenter votre énergie vitale d'un cœur. Yes! Ça, c'est fait. Hop. Et ça marche. Boum! Le salmandil. Au revoir. Encore un sac d'armes. Je sais pas combien on en a obtenu, mais beaucoup quand même. Oh ben regardez. Mon dieu, nous avons vraiment un abus des sacs d'armes. Pourtant mon arme, je crois qu'il n'y a pas marqué arme plus, une connerie de ce genre. Donc en plus on devrait pas en obtenir autant. Et slash. Oh putain, on vient de faire le ménage. Encore un sac d'armes, ben dis donc. Ça s'arrête plus, les amis. On en a obtenu 4 en moins de 2 minutes. C'est abusé. C'est juste abusé. On est en train de se refaire. Et slash. Attendez. On va aller là-bas. Ça blesse beaucoup, ça. On dirait pas, mais ça fait le même effet qu'un dans le coup fatal, donc. Voilà, bim. Pour les ennemis de notre niveau. Ok. Boum.
Boum, 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 boum. Et du coup, on va pouvoir passer niveau 30. Après avoir battu, voilà, le Salmandil, les amis, le gardien de la porte. Ah, le fameux niveau 30. Du coup, on est un petit peu plus puissant. Et en plus, on a obtenu un matériau un petit peu plus rare que les autres. C'est ça qui est bien. Alors, du coup, le matériau que je récupère aussi. Ah, Link, lui, il est allé. Il s'en fout, lui. Autant, vas-y, moi, je m'en fous de ce que tu fais. Il faut lui. Et du coup, nous obtenons la Master Sword du 3e fois. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Fuck. Et slash. C'est impossible. Bah ben, si, c'est possible. Avec la carte qui... Oui. Oh là là. Et du coup, nous devons battre Instero, les amis. Ok. Et slash. Boum. Alors là, il va battre en retraite. Boum. Putain, on l'aurait tué depuis longtemps là. Bon, du coup, on va tuer ses sbires. Et du coup, il faut juste attendre qu'il batte en retraite. Il a battu en retraite. Bien. Allez, go. Maintenant, on quitte ici, les amis. On doit partir en direction de la grande étendue. Avant le temple. Oui, j'ai passé par là-bas, ça faisait du bien de changer un peu de côté des fois. Je changeais un peu de manière de sortir parce que ça c'est un peu du renouveau. Je pense pour moi ça fait renouveau, je sais pas. Alors du coup, nous allons tout défoncer. Hop. Et slash. Aïe 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 aïe. Bah oui, mais laisse-moi le temps de choisir l'arc. Quand même. Hop. Bon, au moins ça c'est fait. C'est bien Link qui me suit en plus. Là, il y a beaucoup de monde. Hop. Bah attendez, il y a beaucoup de monde. Profitons-en, non? Vous trouvez pas? Il faut profiter, non? Bon, là, pour en profiter, du coup, c'est un peu trop tard parce que j'ai éliminé un peu trop d'ennemis, mais... Attendez, bah si, je peux faire les deux côtés. Lui, il s'occupe d'un côté, moi, je m'occupe de l'autre. C'est où il y a le plus. C'est là où il y a le plus d'ennemis, regardez. Oui, c'est là. Regardez. Du coup, je vais là. J'active ça. Hop. Enfin, plus d'ennemis à désirer. Hein. Boum. Slash. Boum. Et ben voilà. Ça on appelle faire ça des dégâts. En plus on obtient beaucoup de matériaux. Ouh là là. Oh, j'obtiens. Hein. J'y vais. Bon, peut-être le niveau 31 ici. Hein. Peut-être le niveau 31. Bien. Comme quoi c'est jouable ici aussi. Ça veut dire qu'on te fera passer 4 niveaux quand même. Hein. C'est fou.
Hop. Ouais, c'est jouable. Niveau 31 ici, c'est jouable. Oh putain, on est en train de tout défoncer. Mais le truc, il y a un taux d'ennemi, mais abusé ici. C'est assez fou. Alors, il y a Zelda qui est en petite difficulté, donc on va aller direct aller voir ce qui se passe. On va pas laisser les choses traîner. Je vais juste repasser par là, du coup, récupérer les matériaux que j'ai dû laisser. Voilà. Parce que j'en ai laissé pas mal. Voilà, comme ça, au moins, eux. Ça, c'est fait. Auto est en danger, j'arrive. Oh putain, la pauvre. C'est vrai que là, elle est en train de se faire gangbang, la pauvre. Gangbang interracial là-bas. Oh oh. Hop. Boum. Bon, moi le niveau 31 ici imminent, mais ouais. Passage peut-être de cœur, ce serait bien. Peut-être est-ce que j'aurai un cœur en plus. Attendez, le jeu, il a bugué. Il y a des trucs, ça fiche plus. Regardez les cœurs en haut, peut-être. Est-ce qu'on aura un cœur supplémentaire? Pas du tout. Hop. Et slash. Ça, c'est fait. Il laisse plein de ses sbires à chaque fois qu'il se crève les ennemis, c'est horrible. Bon, eux, ils vont s'occuper de des ennemis. Nous, en tout cas, on doit partir en direction de d'ici pour éliminer au moins l'intégralité des ennemis. Il y a vraiment des ennemis de partout. Il y a un taux d'ennemis abusé. Abusé quoi. Bien. Du coup. On descend. L'armée de la sorcière avance vers Zelda. Zelda ne doit pas fuir, hein, lui. Et slash. Boum. Voilà. Toujours ces centaines de sbires à chaque fois. Toi, je te laisse te débarrasser de eux. Attendez, je vais juste vous aider un peu parce qu'ils sont un peu trop nombreux quand même. Voilà, les derniers, tu t'en débarrasses. Du coup, je vais en honneur pour... Oui, parce qu'en même temps, ça me fait des rubis, des matériaux et tout ça, donc je préfère largement... Certes, c'est... vous allez vraiment, je vous jure, vous m'en remercier plus tard d'avoir fait ça, parce que plus tard, on aura vraiment besoin, donc vaut mieux que je le fasse maintenant que plus tard, quoi. De toute façon, en plus, il y a aussi le... Il y a aussi comment s'appelle les médailles à obtenir, il y a tout quoi. Il y a tout les amis, le 100% est certes très long, mais c'est comme ça. Hop. Et slash. Et slash. Boum 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 boum.
Ok. Chef de poste. Eh bien, c'est bien, on va en avoir fini. On va avoir fini, les amis. Bien. Il manque que là. Et il se roule. Aïe, 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 aïe. Oh, what the fuck? Il calme. Et du coup, on va tout niquer. Aïe, aïe, aïe. Et slash. Boum. Attendez, il y a le chat là-bas qui fait des bêtises. Minou. Mimi. Non, non. J'arrive. Me revoilà. Voilà, me revoilà. Alors du coup, attendez, il faut que je prenne la manette. Alors du coup, let's go, hein. On le massacre. Aïe. Tiens, j'ai écouté, il se crée derrière le portail. Des rubis, toujours des rubis. Un plaisir. Et boum. Et slash boum. Et nous l'avons eu avec le matériau. Ouais. Mais c'est parfait ça. C'est nickel. Bien. Eh ben voilà les amis, ça c'est fait et c'est complété. Voilà. Ça c'est fait. Bien. Avec pas mal de rubis à la clé. Alors, Anon Body 104 de dégâts, élément ténèbres. Grimoire de l'esprit 96 de dégâts, élément foudre. Rapière scintillante 165 de dégâts, attaque fort 3, lumière, élément lumière, étoile plus. Dragon Géon, bonjour. 96 de dégâts, matériau rare plus. Anon Body 80 de dégâts, matériau rare plus. Épée blanche, élément lumière, expérience plus 165 de dégâts. Et marteau magique, 80 de dégâts, élément feu. Et du coup, nous avons une lourde épée de Gypto, deux ailes enflammées de Salmandil, une barrette de Lana, une robe d'Essero, 7 bandolets de Gypto, 8 cuirs de Salmandil et 19 haillons de monstre. Et les amis, c'est fini. Ah, yes. On en a fini. Enfin, et encore maintenant. Il faut... Alors du coup, on va vérifier ça. Est-ce qu'il y a des choses à compléter avec ça? Ok, rien. Ici. Non. On dirait pas. Non, on dirait pas. Il nous manque... Ah, qu'est-ce que nous problème blindé, d'accord. Ici. Là, des gibes d'or ardente. Oh, ça serait bien ça. Mais je sais pas où les obtenir, ça, je m'en souviens plus. C'est pas... Je sais plus, je crois que c'était pas dans les mines Gouron. Dans le monde du péril. Je crois que c'était ça. Uh-huh.
Bon, par contre, on n'a rien obtenu, quoi. Aucune amélioration, quoi. Faut aller voir l'apothicaire, hein, mais... Ouais, regardez les matériaux. C'est bien, ça, on commence à en avoir pas mal, c'est bien. Parce que, évidemment, quand on va débloquer les nouveaux personnages, parce qu'évidemment, on va débloquer des nouveaux personnages au fil du temps, il faudra bien les stuffer, enfin, il faudra bien les préparer, sachant que il y aura beaucoup de matériaux. Donc, il faudra bien les préparer, donc, honnêtement, c'est parfait, ça. Et regardez, ici, on en a également plein. Là, ça me fait plaisir, ça, 9 ailes enflammées de salmandier, ça fait plaisir. Et du coup, Feria, l'entraînement, tiens. Oula, excusez-moi, l'entraînement. 31. Ouais, 31, voilà. Donc, c'est le plus haut. Hein. Ouais, c'est le plus haut. C'est le plus haut qu'on a obtenu. Avec l'ANA, d'accord. Ok. J'aimerais bien honnêtement upgrade d'autres personnages, mais le truc c'est que c'est mieux de garder les rubis encore. Vous trouvez pas? Parce que ça coûte trop cher. Vaut mieux garder les rubis pour par exemple augmenter les personnages niveau supérieur quand on pourra. Genre par exemple, ce serait bien de monter lui niveau 20, mais problème, 78 000 quoi. 78 000 quoi. Mais bon, on s'arrête là. Hein, je pense que c'est plus judicieux. C'est le au cas où la prochaine fois on ira dans le palais de l'esprit. Donc évidemment on n'a pas le choix avec Link. Sachant qu'au cas où il y a un réceptacle de cœur avec Impa et un fragment de cœur avec Fille. Et Muscu, je l'adore, n'importe comment. La prochaine fois il faudra aller dans le palais de l'esprit en présence de Link. Ensuite on ira dans le palais de l'esprit. C'est le prochain scénario qui nous attend la prochaine fois. Sachez que au cas où on peut voir dans la galerie, il nous manque encore pas mal de choses. Ouais, c'est long, je vous le dis. C'est long. Le prochain épisode sera l'épisode 40, les amis. C'est assez fou l'épisode 40 déjà. Il faut le souligner, hein. Il faut vraiment le souligner. Le prochain épisode, c'est l'épisode 40, dans lequel nous commencerons du coup un nouveau scénario. Hein, un nouveau scénario. Sachant qu'au cas où ça fait déjà 40 vidéos là-dedans. Je pense que vraiment ça commence à devenir assez renom. Enfin, il commence à y avoir beaucoup de choses. Hein, honnêtement, je me languis d'attaquer la fameuse carte aventure. Hein. Hein, les cartes à explorer, carte mère, carte master quest. Tout ça, ça me donne envie, honnêtement. Hein. Tout ça, ça me donne envie, mais c'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment, mais honnêtement, tout ça me donne envie de faire. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Il y a énormément de choses que j'ai envie de faire, donc. Mais écoutez, ça sera quand on aura fini le mode aventure, ça, le mode legend, parce que le mode aventure c'est vraiment un truc très judicieux, dans le sens où c'est très ambitieux. Comme truc, en plus, les modes aventure au cas où, le mode aventure c'est un truc qui va nous prendre beaucoup de temps, c'est d'ailleurs le truc qui va nous prendre le plus de temps dans le LP. Sachez que le mode défi, on va nous prendre beaucoup moins de temps que le mode aventure. J'estime au moins une trentaine de vidéos peut-être du mode défi, voire un petit peu plus encore. Mais honnêtement, le mode aventure va nous prendre au moins bien une deux centaines, voire une trois centaines de vidéos, si c'est pas plus. Donc beaucoup de choses. Le mode légende également va nous prendre beaucoup de temps parce que il faut refaire le jeu en mode normal, en mode difficile, en mode héroïque avec la sculpture d'or. Mode difficile avec la sculpture d'or, c'est assez fou. Sachez qu'en plus on doit faire la forêt, enfin on doit plus faire les autres scénarios avec Linkel, avec Sia, le Wind Waker qui arrivera peut-être bien plus tard, je sais pas quand il arrivera, mais il faudrait également qu'on s'y attaque. Mais beaucoup de choses à faire, les amis, c'est assez fou. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, honnêtement, on le fera la prochaine fois. Je me languis aussi avec vous de le faire, et on se dit à la prochaine pour l'épisode numéro 40 où on fera le palais de l'esprit avec Link. En tout cas, on commencera.